Ok, cher développeur, on retourne à notre séance de débogage. Nous étions à l'étape 4 sur l'enjeu de composants listes. Dans design, je vous ai demandé du temps pour aller faire du débogage et après analyse, j'ai constaté que j'ai eu un souci au niveau du respect de la règle édictée par les concepteurs dans design. Vous vous souvenez dans la partie Use in Require React App, vous voyez bien. En fait, lorsque l'on ajoute cette mention, ou du moins cette ligne, dans notre fichier index.ch, CSS, index.ccs, comme vous le voyez ici, on doit importer ce fichier dans notre composant racine qui est index.tsx, comme cela est mentionné ici, vous voyez bien. Modifies. Ici, ils ont utilisé app parce que app.js c'est le fichier d'entrée sous, vous voyez bien, c'est importé. Donc, je vais procéder par l'importation et voir ce que ça donne. Normalement, je dois supprimer le report web vital, mais ce n'est pas l'occasion de le supprimer. Nous sommes encore, je l'ai dit, dans notre phase. Où est le problème à ce niveau? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Finalement, je vais supprimer ceci et voir ce que ça va me donner. Mon Dieu, c'est une succession de noms. Je supprime pas tout donner bien tout à l'heure. Alors, je vais importer. Oui, il y a bien importation du fichier index.cch. Est-ce que j'ai bien fait ma séance de débogage? Allons-y donc au terminal et puis nous voyons ce que ça va nous donner. Actualisation. Même chose. Ah, ça veut dire que ma séance de débogage s'est bien faite. Alors, j'ai cru que c'était là le problème. Hein. Mais apparemment, c'est pas là le problème. Wow. Bon, ici on de ici aussi il y a un autre souci que j'ai pu observer, c'est l'exploitation de ce fichier ici. En réalité, c'est là au niveau de la source de données, je ne dois pas mentionner DB logement puisque DB logement est déjà dans le state. Donc, en mettant DB logement, je pousse l'application allait directement à la source de données, alors que cette source de données peut être modifiée, et c'est ça qui est pris en compte dans le state. Donc, je dois mettre bien évidemment, je dois mettre évidemment la première variable du state, puisque le state renvoie un objet avec deux propriétés. Vous avez liste et cette liste ici. Donc, je vais donc mettre liste ici. Et nous avons. Je vais enregistrer cela. Jusqu'à présent, est-ce que ici, là, il y a lieu de. Mon Dieu, je n'arrive pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quel est exactement le problème? Problème au niveau même chose. Bon, je ne vais pas trop tirer de long en large. Je pense que je dois encore aller dans une autre séance de debugging pour essayer de comprendre pourquoi.
Je n'arrive pas à trouver une solution. Avatar. Avatar doit être une petite image, mais il n'en fait qu'à sa tête, malgré les propriétés qui ont été mises. Ok, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour une troisième séance. J'ai bien cru que je n'avais pas importé le fichier index.css à ce niveau et voilà. C'est ça les aléas, comme je dis, du ticket. On se retrouve pour une autre séance de débogage.